À la primature, une délégation de la société allemande Geoscan a été reçue mardi par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Cette firme spécialisée dans l'exploration de la Terre au moyen de la télédétection a émis les vœux d'investir en RDC au cours de cette année. Il sera aussi question pour cette firme d'apporter au pays ses services en matière de batteries électriques. On a remercié d'être ici dans ce grand pays. On y est pour la première fois. Et on a démontré notre technologie et qu'est-ce que ça peut faire une différence pour le développement du pays, du Congo. Et on a décidé de continuer au détail avec tous les ministères. Et nous avons discuté d'ouvrir Geoscan du Congo ici et de nous y installer et de revenir de plus et de plus jusqu'à nous avoir une concrète une carte, merci, de tous les Congos. Nous sommes dans un secteur du remote sensing. Comment est-ce que ça veut dire? De sondage à distance. On analyse des photographies du satellite et avec nos mêmes technologies et arithmétiques. Les algorithmes. On est possible de trouver tous les matériaux jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Ça peut être hydrocarbons. Les hydrocarbures. Et ça peut être de l'or. De l'or. Ça peut être des minéraux. Des minéraux. Spécialement pour faire des batteries pour le futur. Batterie électrique. Électrique. Au premier, c'est la première fois que les gouvernements du Congo savent qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol. Dans le sous-sol. C'est nouveau. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de place pour des mines aujourd'hui inconnues. Et nous sommes ici pour donner une meilleure position en négociation pour le gouvernement.